Cannes, là, ça va tuer quelqu'un. Hein. Chers frères et sœurs ivoiriens, je voulais vous adresser mes condoléances, hein, parce que bon, ce n'est pas facile quand même. Il faut avouer que votre chèque a causé beaucoup de dégâts. Hein. On a vu même DJ Arafat qu'il a, il a parlé, mais aujourd'hui, il a changé d'avis, donc il veut faire la demande de la nationalité congolaise. Hein. Bon, ce sont les choses qui arrivent. Même votre observateur, il faut lui dire la prochaine fois qu'il utilise même les jumelles, parce que avec la vision, là, vous, le problème de vision, ça ne vous va pas. Hein? Donc, ce n'est pas pour vous. Mais il faut quand même garder la foi. Je voulais partager un message avec vous qui est très important. Hein? J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Donc, si vous prenez votre Bible, hein, dans le livre de Jean, hein? Jean chapitre 20, vous commencez par le verset 24 comme ça. Hein? La Bible dit, heureux ceux qui ont vu sans avoir cri. Mais vous, moi, je ne comprends pas. Vous avez des problèmes de la foi. Donc, vous pensez comme, parce que vous avez gagné le championnat, l'autre, la Coupe d'Afrique avant, allez, vous avez abandonné quoi? Hein? Donc, vous pensez que vous pouvez venir seulement faire les petits jeux, après, on va vous donner une autre coupe. Parce que je ne sais pas, on vous a dit que la canne, là, c'est pour votre grand-père. Donc, Yakor Nabino, quoi? Canne, Yakor Nabino, la canne, c'est pour vos ancêtres. Hein? Allez, vous pouvez faire ce que vous voulez, on va vous donner une autre coupe. Même vous avez mis votre DJ Arafat à la fin, il a parlé, a parlé, a parlé, a abandonné. Hein? Bon, poli, hein? Maintenant, c'est le coupé décalé, là, vous avez dansé, ça, c'était un peu trop tôt. Hein? Il faut pas toujours de la vie. Dans la vie, hein, il faut voir clair et il faut voir aussi loin. Hein? Donc, vous avez dansé le coupé décalé, mais le décalage, c'est aller vers le bas, vers l'arrière. Vous voyez, hein? Vous avez un peu décalé vers le bas. Mais nous, on va danser une dombola jusqu'à la fin. Ça, je vous le garantis parce que les léopards, nous, on ne parle pas beaucoup, mais c'est seulement l'action. Et si tu ne te soumets pas d'abord, c'est le film, donc chicote. Tout le monde qui est passé, ils ont été chicotés. Hein? Donc vous avez mis trop la bouche, la bouche, la bouche, vous avez parlé, mais à la fin, allez. On vous a quand même, on vous a liquidé. Donc vous voyez que même avec les points, on était à l'avance. Et voilà. Mais nous, on a bâti le Maroc. Le Maroc vous a bâti. Donc, ça veut dire que vous êtes des petits. Bon. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les autres encore, les éperviers. On ne compte même pas les éperviers parce que éperviers Togo. Donc, éperviers même, c'était comme les Miss Gale, quoi. On a les Togo ici en Europe. Les Togo, c'est quelque chose que tu achètes. Tu manges ça directement à emporter. Donc, les Togo, c'était rien. Et tu vois pas, les Togo, ils ont compris déjà avec leur nom. Les Togo, ils savaient déjà qu'ils ne peuvent même pas mettre la bouche. Donc, il faut respecter les Congolais. Mais je compatis quand même à votre douleur. Et à ce qui concerne le DJ Arafat, il faut lui dire que le passeport, ça coûte dans les 280 euros. Hein. Mais bon, je sais qu'il va faire ça. Allez, peace, hein, à la carte prochaine. Mais gardez la foi. En tout cas, il faut vraiment garder la foi pour avancer. Que Dieu vous bénisse. Hein?